Pourquoi ne pas se servir de la présente crise puis la transformer en opportunité? Puis ça, ça veut dire, enfin, c'est urgent, ça presse, prendre le virage vert. Donc, comme je le disais, là, couper tous les soutiens, toutes les subventions aux énergies fossiles, aux pipelines, tout ça, là, arrêter de se battre avec le voisin américain puis en Europe pour dire « prenez notre gaz puis notre pétrole sale, s'il vous plaît ». Non, laissons ça là. Il y a un coût à payer pour ça, mais disons plutôt « développons notre économie verte ». Donc, chacun des secteurs, chacune des sphères d'activité, prendre le virage vert. Donc, par des règlements, des lois, des subventions, par de la recherche aussi. Il y a de la recherche qui se fait partout, partout sur notre territoire, partout au Québec, dans les régions, dans les universités, dans les centres de recherche, tout ça. Donc, vraiment, donner pour le virage vert, puis changer bout pour bout. Là. Donc, se servir de la crise, transformer ça en opportunité pour sauver la planète. Les jeunes, là, il faut commencer par les écouter, les inclure dans les consultations, systématiquement leur laisser toute la place. Ça, c'est hyper important. Souvent, avoir des bonnes idées, les jeunes vont amener des bonnes idées. Donc, ça, c'est hyper important. Puis aussi, ben, au niveau fédéral, la job du fédéral en éducation, tout ça, c'est le financement. Depuis 25 ans, tout ça a été coupé drastiquement. Puis ça, ça veut dire, ben, quand on s'inquiète, par exemple, pour la santé mentale, ben là, le gouvernement à Québec va dire « ben ouais, mais on n'a plus d'argent ». Oui, c'est sûr, ça a été coupé. Fait que là, il y en a un peu moins là. Pour l'éducation, viser davantage l'inclusion. Ah ben là, on est serré, on va augmenter les frais de scolarité, on va couper dans les services, on va couper dans la vie étudiante, tout ça. Non, il faut, je pense, c'est ce qu'on entend des jeunes, avoir un réinvestissement à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on demande à Ottawa.